La salle Christian Lattier du Palais de la Culture de Trècheville a été prise d'assaut ce dimanche, deuxième journée du Massa, marché des arts du spectacle d'Abidjan par de nombreux spectateurs. Ils ne sont pas venus pour regarder un film ni du théâtre, mais pour suivre une conférence sur la dynamique des créations scéniques contemporaines africaines aujourd'hui. Dans les différents massas que nous avons vécus jusqu'à maintenant, le massa numéro 4, je crois, le massa numéro 8, il y avait problème d'abord d'espace, d'expression, des créations. Maintenant, on a l'espace. Il faut alimenter ces espaces-là. On a le palais de la culture. Et Madame la ministre a dit tout à l'heure qu'on va réhabiliter dans pratiquement toutes les régions les espaces qui vont accueillir des spectacles. Il faut que les créateurs créent. Cette rencontre d'échange, d'informations et de partage d'expériences vise à encourager la jeune génération à créer de nouveaux contenus. Son intervention était intéressante, il a dit plusieurs choses et après ça m'a un peu titillé et j'ai voulu lui poser des questions parce qu'il nous disait qu'il faudrait que nous puissions nous réapproprier de l'innovation numérique aujourd'hui, créer des contenus qui est en vogue aujourd'hui, créer des contenus et mettre sur TikTok, Facebook, les réseaux sociaux pour faire bref. Moi je dis c'est une bonne chose, cela doit exister, mais ça ne doit pas faire fi de l'aménagement du territoire en matière de culture dans nos pays. Ce qui a attiré mon attention, c'est en fait le rapport à la création et aussi au financement des projets des jeunes artistes. C'est vrai qu'il est important pour les jeunes de créer, de produire, parce que quand on se fait appeler artiste, la première des choses, c'est de créer, en fait, c'est de proposer une démarche et aussi questionner la société par rapport à leur mode de vie. C'est ma première visite à l'Afrique, spécialement à l'Ouest Africa. Ma première fois d'être ici en Côte d'Ivoire, en ce qui concerne les arts, la culture et tout. Et donc, nous avons constaté que la Côte d'Ivoire a créé un écosystème qui permet à tout le monde entier d'être ensemble et de s'entendre sur ce point commun là qui est la culture. Le Massa, grand événement culturel, est un pilier dans la promotion de la culture africaine et des arts de la scène en Côte d'Ivoire.